Salut tout le monde, bienvenue chez Tof Lawin. Petite session de grattage du jour, un millionnaire, deux jackpots, un méga mot croisé. Donc en fait, c'est pas tout à fait une session comme d'habitude. Le millionnaire et les deux jackpots, c'est donc une dédicace à John Doe Grattage Prono. Donc c'était anciennement John Doe Soutien, maintenant c'est John Doe Grattage Prono. Et donc, eh ben, dédicace à toi, John Doe. En plus, tu m'as dit que depuis Marseille, Massilia, tu m'envoies tes ondes positives pour ces grattages. Donc, juste, je vous précise, voilà, donc ces deux-là, c'est une dédicace à John Doe. Voilà, John, si tu me regardes, je pense que tu vas regarder un petit coup pour voir tes tickets, ce que ça dit. Surtout que là, en plus, voilà, tu viens pas chez n'importe qui, parce que du coup, je gagne pas souvent. Alors là, donc du coup, peut-être que tu vas, grâce à tes ondes positives, ça va, tu vois, ça va nous faire gagner. En plus, j'ai pris une pièce de 5 francs. Hop, 1987. Dédicace à tous les, bah, tous les gens qui sont nés en 1987 ou voilà, qui se sont mariés en 87. Bon, là, ça rajeunit pas, etc., etc. Donc voilà, donc ça, c'est pour John Doe. C'est pour toi, dédicace. N'hésitez pas à aller sur sa chaîne. Moi, je suis abonné d'ailleurs à sa chaîne. N'hésitez pas, c'est un gars bien. Et d'après toutes ces vidéos, tout ce que j'ai vu, c'est un gars bien. Donc, ceux qui ne sont encore pas abonnés à sa chaîne, n'hésitez pas. Bon, sachant que ce n'est pas lui qui m'a demandé. Hein. Il ne m'a pas demandé de faire de la pub. Il m'a juste dit, gratte ces tickets, dédicace-les-moi, je t'envoie des ondes positives de Marseille. Et voilà, mon club de cœur, c'est Marseille. Donc, je peux que respecter cette dédicace. Voilà, tout simplement. Bon, je sais, aujourd'hui, je suis un peu en forme. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que j'ai pris 2-3 Red Bull avant. Enfin, bref. Et là, voilà. Là, c'est une dédicace à tous les amateurs de mots croisés. Parce qu'en fait, j'ai jamais pris de méga mots croisés. J'en ai jamais pris. J'avoue, petit jeu qui fait un peu mal à la tête, mais ça va être sympa. J'en ai jamais pris. Des méga, j'ai pris des mots croisés, des maxi mots croisés. C'est ça, un maxi à 5 euros. Maxi mots croisés à 3 euros. Jamais. Ceux à 10 euros, ben je crois. Oui, oui, si, si, même, c'est sûr, parce que ce ticket, il ne me dit rien, là. Donc, voilà, j'en ai jamais pris. Donc, je vois que vous êtes beaucoup à aimer le mot croisé. Donc, ça, vraiment, pareil. Ça, je le fais pour vous, parce que vraiment, c'est pas un ticket que j'ai l'habitude de gratter. Mais c'est, voilà, vous, tous les amateurs de méga mots croisés, vous allez vous faire plaisir. Et donc, là, on joue pour 600 000 euros. 600 000 euros, les gars. 500 000 ici, plus 500 000, 1 million, plus 1 million là. Ça fait 2 millions et 600 000. 2 millions 600 000. Elle est belle la vie. Elle est belle la life. Allez, c'est parti. Bref, on arrête la flûte. C'est parti. Allez. Hop, je reçois les ondes positives de John. Et on y va. Hop, on va zoomer tout ça tranquillement. Ticket 39. Voilà. C'est parti, allez. Allez, go. Go et rego. Alors, qu'est-ce qu'on a comme numéro ? Le 11, le 37, l'As, le 24, le 4 et le 38. Bon, pour l'instant, désolé, je ne peux pas te dédicacer un 13, il n'y a même pas de 13. Allez, go. Voilà, dédicace à toi, le 13, il est là. Sauf que je ne l'ai pas dans mes numéros. 30. La luminosité aujourd'hui, elle n'est pas terrible. Hein. Je suis au fond d'une cave. C'est peut-être pour ça. Quarante-huit, non. Vingt-trois. Allez, il reste un. Et 19. Donc, normalement, c'est perdant. 11-37 as. On n'a pas. Et 24-4-38. On n'a pas.
C'est parti. Numéro 40. 28, 24, 3, 8, 42. Et As. Quarante-quatre, non. 22. 43. Jusqu'ici, tout va mal, les gars. Tout va mal. 14. 21. 38. Et 35. Donc là, il en reste un. Si j'oublie, ça change rien du tout. Donc 28, 24 et 3, on n'a pas. 8, 42, As, 8, 42, As. On n'a pas non plus. Bon, c'est pas grave, les jackpots. J'aurais dû les prendre peut-être au moment, John, où tu m'as envoyé le message. Quand, le jour où tu m'as envoyé le message, tout de suite, je les aurais achetés. Tu m'as dit en plus que tu m'envoyais les ondes. Peut-être que ça aurait fonctionné. À moins que tout est dans le millionnaire. Qui sait? Peut-être. On va voir ça tout de suite. Peut-être que tout est dans le millionnaire. Pourquoi pas? Ticket 25. Et d'ailleurs, les jackpots, c'était 39 et 42 de numéros qui suivent. Bon, je n'ai pas choisi les numéros. C'est parti. Donc là, on a quoi? On n'a rien pour le moment. C'est bien ça. Rien du tout. Allez. On ne perd pas espoir. C'est parti. Jeu numéro 2. Vingt ou 50. On prend, on prend, on prend. Donc là, on n'a rien du tout. Toujours rien à se mettre sous la dent. Rien du tout. Après, c'est quoi? Diamant, saphir. C'est parti. 18 grammes, c'est faisable. 26 grammes, 29 grammes. Alors là, on fait quoi? 28. 21. Ah! Et 15. 15, 15, 15. Rien du tout. Il reste plus que ce sac pour espérer. Espérer. Ah, ben le voilà. Le voilà, le petit sac. Ouh, ça sauve la mise. Au moins jusqu'au bout du suspense. Donc John, merci bien, tu as bien fait quand même. Parce que je récupère au moins 10 euros, ça me convient, ça me convient. Qui sait, j'aurais peut-être acheté les tickets dès que tu me l'as dit, j'aurais peut-être gagné même au jackpot.
Et encore et même au millionnaire. Qui c'est, qui c'est, qui c'est ça? Alors, donc c'est le ticket numéro 25 qu'on va découvrir tout de suite. Et ben voilà, 20 euros. En plus, je crois, je sais plus si tu m'avais pas dit qu'il y avait 20. Ah non, tu m'avais dit 100 sur le millionnaire. Enfin bref, peu importe. J'ai pas perdu, j'ai pas gagné. Donc pour moi, c'est une victoire. Merci John. Je récupère 20 euros. Donc ton investissement, donc enfin investissement d'un millionnaire et de jackpot que tu m'avais donc demandé de dédicacer. Donc voilà, 20 euros. Eh ben ça fait plaisir. On a le sac. Ça fait plaisir. Donc 20 euros. On les récupère. Donc voilà, en même temps, petite dédicace. Et il nous reste un jeu à gratter en plus. Pour tous les amateurs de mots croisés. C'est parti. On va se faire plaisir. Donc ce qu'on va faire. Ah oui, ça va être compliqué en fait là. Parce que du coup, vous n'allez pas tout voir. Donc on va déjà faire les deux grilles là pour qu'il y ait un maximum de visibilité. Après, on descendra. Ben, je dézoomerai. Tant pis, on n'aura pas une super qualité. Mais au moins, c'est pour se faire plaisir avec les deux là. Voilà. C'est parti. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Qu'est-ce que je vais faire à votre avis? Je vais tout gratter, carrément. Puis comme ça, déjà, on saura déjà au jeu 2 si on a gagné ou pas. Je vais tout gratter d'un coup. Soyons fous. Comme ça, chacun joue à son rythme. Tranquillement. Hop. Il y en a qui sauront bien avant moi si j'ai gagné ou pas. C'est parti. Donc désolé pour la luminosité, vraiment. Prochain coup, je gratterai pas dans une cave. Alors, on a quoi? Alors déjà, on va voir pour ceux-ci là. Pour ceux-ci, zoom et gâté, zoom, ça va aller vite. On a bien le O, on a bien le M, on a le Z. Ben, c'est parfait. C'est parfait tout ça. C'est magnifique. Elle est belle. On gagne à partir de combien sur ce jeu? Comme je suis un novice, désolé. Donc là, on a déjà gagné quelque chose. Ça commence bien, on peut quitter la vidéo, on peut quitter la vidéo. On gagne à partir de combien? Règle du jeu, non. Lo, 10 euros, on gagne 10 euros minimum. Bah oui, de toute façon, je récupère. Donc je récupère au moins mon investissement. Total, avec ta dédicace, John, plus ça. Parfait tout ça. C'est parfait. J'aurais signé tout de suite, on me l'aurait dit dès le départ. Je signais. Alors. Voilà, on a le stylo aussi, on va se faire plaisir. Donc le gain, on le regardera après, forcément, pour le bilan total de ce ticket. Pas le regarder tout de suite, ça sert à rien. On va déjà essayer de vibrer, mais il y en a, ils ont déjà commencé à faire leurs mots. Alors, après gâté, on a le A, on a le E, on a le T. On n'a pas le G, hein, c'est ça? Le G, je vois juste les gratter pour se faire plaisir, hein. On les a pas, donc peu importe, mais c'est voilà. Hop. En plus, d'où l'important des gestes, parce que je sais que vous n'êtes peut-être pas les seuls, mais de toute façon, vous ne m'entendez pas. Mais il y a des sourds et muets qui me. Ça m'a fait réfléchir, ça. J'ai eu un message de Karine. Karine, ben, j'ai pas vu ton nom de famille, ça commence par un V. Qui commente régulièrement mes vidéos. Pardon de parler encore beaucoup pour ceux qui veulent que je gratte, mais bon, bref. Et du coup, en fait, elle m'avait écrit pourquoi les gens m'ont. Bah pour mon concours là, du bingo, vendredi soir, n'hésitez pas à vous inscrire sous la vidéo des 3000 abonnés pour fêter les 3000 abonnés. Elle m'a dit pourquoi toutes ces personnes m'envoient des chiffres, parce que bah, elle n'entend pas mes vidéos, elle est sourde et muette en fait. Donc d'où l'importance des gestes comme ça. Parce qu'en fait, là, je peux vous dire, ben gâté, on l'a pas, je le gratte pas, par exemple. Et puis du coup, on enchaîne. Puis elle peut se dire, oh, il a oublié de regarder là, même si j'ai perdu. Elle se doute que si je le gratte pas, c'est que j'ai perdu. Je sais que j'ai perdu. Mais d'où l'importance, en fait, des faits et gestes. Des fois, on pense pas qu'il y a des sourds et muets qui peuvent nous regarder, même s'ils sont pas certainement un nombre, on va dire, énorme. Mais c'est important, ça aussi. Il faut y penser. C'est vrai. Il faut y penser. Alors, c'est parti. Donc, go. Ça a coupé. Ça a coupé. Pourquoi? Parce que j'ai fait une faute professionnelle. On va dire ça comme ça. Bref, ça a coupé, mais peu importe, vous voyez pas trop la coupure. Parce que, entre-temps, ça sera monté. Donc voilà. Vous la verrez pas. C'est trop. Allez, c'est parti. Bon, c'est pas le tout, mais pour 4 tickets, vous allez me dire oui, t'as mis une demi-heure pour gratter 4 tickets. C'est inadmissible, je vais porter plainte. Allez, go. Donc, zoom, on a gagné. Bref. Donc, on a dit paré. Allez, on y va avec le stylo. On a le P, on a le A.
On a dit quoi? On avait le R ou pas? Non, on n'a pas le R, mais on a le... On a AE ce soir. Âge, est-ce qu'on a le G? Non, on a bien le E toujours. Allez, on va faire... Hop, les E, on les a. Tac. Non, je vais pas faire comme ça. Bon, on va finir ce qu'on a fait avec les E. Sans se faire mal à la tête, tranquillement. On prend le temps qu'il faut, d'ailleurs. Je ne suis pas pressé, donc en fait, voilà. Le M, on a dit qu'on l'avait, mais c'est juste parce que, en fait, je pense au M, puis il n'y en a pas beaucoup, donc voilà. C'est juste pour voir ça, si on a le S et le L. Le L, non. Le S, non. A, E. D'accord. Usure, on a le U. On n'a toujours pas le S, donc de toute manière, ça change rien. Ni le R. Donc là, on a beau. Hop. Donc, alors, on va passer comme ça. Donc, alors, pareil, on n'a pas. Soirée. On n'a pas le S de toute manière, donc c'est foutu. Leg, c'est foutu, on n'a pas le S. Mijoter, on a le M. On n'a pas de I de toute manière. Bon, alors on peut entourer le J si on veut. Ben voilà, on a jeu. Il faut combien de mots? Deux mots. Donc on a déjà jeu. C'est déjà une bonne chose. Je revérifie. J, E et U. Donc on a jeu, c'est bien. Mijoter, on n'a pas de I. Donc c'est mort. User, user, user. On a le U, mais on n'avait pas de S, on avait dit de toute manière. Là, le L n'est pas là. On a le A, on a le A et le Q, mais ça change rien. De toute façon, on n'a pas le R. User, d'accord. Mijoter, on a dit c'est foutu. Soirée, d'accord. Usure, on n'a pas le S ni le R de toute manière. Peur, on n'a pas le R, donc de toute manière, c'est foutu. Voilà, on avait le P, on avait le U, on peut se faire plaisir à les mettre. De toute façon, c'est mort. Là, on n'a pas le S, on a sûrement le T, oui. Là, pour mêler. On n'a pas le S, donc c'est foutu aussi. Après, donc on a dit quoi? Laquer, laquer, laquer. C'est pas liker, c'est laquer. Laquer. On n'a pas le L, donc c'est mort. Essai. On n'a pas de S, hein, on avait dit. De toute façon, on peut entourer le A si on veut pour se faire plaisir. Mais on l'a pas. Empereur. On a le M. On a le P, mais de toute façon, on n'a pas les R, hein, on a le U. Ah, on peut se faire plaisir, mais on n'a pas les R. Donc, de toute manière, là, c'est foutu. Là, c'est foutu. On passe à celui du bas. Il y en a peut-être qui sont déjà passés à celui du bas, qui savent déjà que j'ai des mots ou pas. Donc, là, celui du bas, on a le, on se refait pareil, on a le A. Bon, tous les A, bon, si on veut. Bon, allez, on va aller comme ça. Désir. De toute manière, on n'a pas le R, donc c'est foutu. On peut le barrer, le R. Uni. On a le U, on a le N, on n'a pas le I. On peut les entourer si on veut pour se faire plaisir. C'est clair. Clair, clair, clair. Donc gay, il y avait gay avant, mais j'ai vu. Hein. G-A-I, on n'a pas le I de toute manière. On a bien le... Non, on n'a pas le G non plus, d'accord. Donc ok. Clair, on a dit. Donc on n'a pas le L. On peut entourer le C pour se faire plaisir. Le E aussi. On n'a pas le L, on n'a pas le R. O, H-A-U-T, ça on doit avoir. On a O déjà. On a un mot là. On peut le gratter. Bon, non, on va même pas le gratter. Si, allez, c'est pour qu'il y ait plus de visibilité, pardon. C'était quoi qu'on avait au-dessus en premier? Je. On va gratter je juste pour se faire plaisir. Voilà, comme ça. Histoire de, que ça soit visible d'ailleurs. Comme je l'ai dit plus haut, et là, O. C'est le cas de le dire. Oh, on va le gratter histoire de aussi. Comme ça, on a un mot. Voilà, on est content, on a un mot. On a un mot. On peut espérer encore. Enfin, je peux espérer à l'heure actuelle. T, on n'a pas de R de toute façon, donc c'est foutu. Là, on n'a pas de R, c'est foutu. L, E, ben on n'avait pas le. De toute façon, on n'a pas le L. Oua, O, I, on n'avait pas de I de toute manière, donc c'est foutu. Là, on n'a pas de i non plus, on n'a pas de r. Là, on n'a pas de i. Fut, fut, fut. F-U-T. Ah, il manque le fameux S. Il manque le fameux S. C'est dommage. Riche. Oui, on a envie d'être riche. Tout le monde a envie d'être riche. Bon, l'important, c'est la santé. Mais on veut quand même être riche. Comme on dirait, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Alors, le C, non. Malheureusement, dans cette société actuelle. Alors. A été, on avait là. Ah, c'est le I qu'on n'a pas. Je vais revérifier, on n'a pas le I, ce fameux I, c'est dommage.
C'est dommage. Ouais, c'est dommage. Là, on n'a pas le G de toute manière. Donc là, c'est foutu, hein, autant vous dire. Autant vous dire que c'est foutu. Bon, c'est des tickets, il faut prendre le temps quand même, comme ça chacun a son rythme, sachant que je dois être le dernier des Mohicans, je dois être le plus long, ça c'est sûr. Mais c'est juste pour vérifier que je ne vous dis pas de bêtises, j'ai bien un mot là, un mot là. Je vérifie, Rich, il y avait peut-être des mots ici, donc on n'a pas le i de toute manière, donc ça change rien. Voilà, on peut enlever les i, donc ça enlève beaucoup de mots. Là, il y avait esper, mais il n'y a pas le r, vous voyez. Là, éducatif, donc on aurait bien aimé que ce soit éducatif, mais vous voyez, par exemple, on a le t, on a le a, mais on n'a pas ce fameux i, donc ça change rien. On peut faire ça si on veut, hein. On peut se faire plaisir. Mais on n'a pas. On n'a pas, en fait. On va pas aller chercher plus loin, on n'a pas, on n'a pas. Trace, on n'avait pas le R. Voilà, on n'a rien. On n'a rien. Faut pas non plus s'éterniser. Donc là, je vais vous mettre ça en plus haut. Voilà, comme ça, pour que vous voyez le tout. On va zoomer juste que vous ayez au moins les lettres. Et puis on va aller sur le dernier. Voilà, on va faire comme ça. Là, vous voyez les lettres. J'espère que c'est assez clair. Donc là, on peut se faire peu. Pour gagner 50 euros, il faut reconstituer entièrement. De toute manière, on va dire qu'on n'a pas le R. On a le V, le A. Voilà, on a le V. On a le A. Et je crois qu'on n'a pas le L. De toute manière, le L, on l'a pas. On a le E, le U. On n'a pas le R. R, on l'a pas. Hein. Que je vous dise pas, j'ai basé ça sur le fait qu'on n'avait pas le R. Il suffit que j'ai mal vu. Et puis hop. Donc voilà, là, c'est pour de la clarté. Qu'on soit clair avec celui-là. Donc là, on n'a rien. Ensuite, on va faire sur celui-ci. Voilà, c'est parti. Donc là, on va faire sur celui-là. Allez, c'est parti. Prestige, c'est foutu parce qu'on n'a pas de R, on n'a pas de I. Je barre ce qu'on n'a pas, comme ça va plus vite. Donc c'est foutu. Après, on n'a peut-être pas d'autres lettres, mais bon, peu importe, on verra après. Perle, on n'a toujours pas de R de toute manière, donc c'est foutu. Adapté, on n'a pas de R. C'est foutu. Imposé au féminin pluriel. On n'avait pas le i de toute manière, donc c'est foutu. Mais là, on peut se faire plaisir avec le p. On peut se faire plaisir avec le o. On n'a pas de s. On a bien les e. Voilà, par exemple. Sien, on n'a pas de s. On n'a pas de i. Le s, on l'a pas, hein, c'est ça. Donc c'est foutu aussi. Là, on a quoi? On a Eben. E-B-E-N-E. Celui-là, il est bon. Eben. On a le E, on a le B, on a le N. Donc, on commence avec un mot. Deux mots, c'est combien sinon? C'est 20 euros? 10 euros. Plus là, ça ferait minimum 20 euros. Elle serait belle. Elle serait pas mal. Écu. On a le C, on a le U, mais on n'a pas le S. On peut se faire plaisir comme ça, mais de toute manière, on n'a pas le S. Donc, ski, c'est foutu. On avait le K, je le signale, mais on n'a pas le I. Donc lui, c'est foutu. On a le L, on a le U. Bon, le I, là, on l'a pas. Allez, paire. Donc on a le P, on a le A. Bon, on avait dit qu'on n'avait pas le I de toute manière. Donc ça, voilà, on n'a même pas le R non plus. Donc on n'a pas d'hiver non plus, parce qu'il n'y a pas le I. Île, on n'a pas ça non plus. On peut les entourer pour se faire plaisir. Émaner, ben on n'a pas le R, hein, donc malheureusement, sinon le reste, je pense qu'on l'avait comme de par hasard. Comme de par hasard, le hasard fait bien les choses. Lin, ben on n'a pas ce fameux L ni ce I. Donc là, voilà, je crois qu'on a presque tout vu. Donc on a un seul gain, mais c'est déjà pas mal. C'était tout de suite. J'aurais pu arrêter, effectivement, m'arrêter tout de suite. Parce que lui, on n'a pas. Je revérifie, mais là, hein, c'est foutu, hein. Oui, là on n'avait pas le R. Hein. On peut entourer le T, juste voilà, pour se faire plaisir, pour que. Mais ça change rien, hein, de toute manière. Hein. Pour ça, ceux qui me commentent et tout, de toute manière, j'ai vu qu'il n'y avait pas le R, donc c'est pour ça que des fois j'entoure pas. C'est. Par contre, si vraiment j'ai loupé un mot, là, n'hésitez pas à commenter. Mais c'est pour me dire, t'as loupé la lettre, t'avais ce mot quand même, mais ça change rien. C'est pas grave, parce que de toute manière, ça change rien du tout. Ça ne change rien du tout. Mais merci en tout cas de participer comme vous le faites. Alors là. Je pourrais jamais vous remercier assez. Donc, bah c'est perdu. Allez, on va passer au gain. 10 minutes sur ce jeu, plus, oui, plus de 10 minutes sur ce jeu pour au final revenir au départ. Donc, zoom et on prend 10 euros. Bon, ben bah voilà. Ça fait une session ben, qui n'est pas perdante.
Donc, je reviens sur toi, John. Donc, merci avec ce millionnaire, 20 euros sur le millionnaire. Donc, sur ce ticket, on a fait du bénéf, ticket 25, 20 euros. En parlant que de ce ticket, on a fait du bénéf 20 euros. Là, Zoom 10 euros, donc on récupère le minimum 10 euros. N'hésitez pas à me dire, hein, au cas où j'ai loupé des choses, je parais sûr de moi. Mais vous savez que Toflawin n'est jamais sûr de lui. Il loupe des numéros, il loupe des mots, il loupe tout et il loupe tout. Donc voilà, n'hésitez pas à me leur dire. Les jackpots, peut-être que j'en ai loupé, ça serait bien. Je vais les revérifier avant de poster la vidéo quand même, peut-être, pour faire un appoint si jamais. Mais bon, je pense qu'ils sont perdants. N'hésitez pas en tout cas, si jamais ils étaient gagnants, à me le signaler. Et ben, je vous invite tous à voir si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les 3000 abonnés. N'hésitez pas à aller la voir. Je fais le live vendredi soir et ça va être sympa. Ça va être sympathique. Ben, c'est tout ce que j'avais à vous dire. En tout cas, encore merci John Doe. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne qui est très 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 fort sympathique. Et ben voilà, je vous souhaite une très bonne journée si vous regardez ça en journée, une très bonne soirée si vous regardez ça le soir, une très bonne nuit si vous regardez ça la nuit. Et Toflawin rend l'antenne!